Il y a une polémique en ce moment sur la saisine du Conseil d'État, la transmission de la réforme des retraites au Conseil d'État par le gouvernement avant son adoption en Conseil des ministres. Pour que je vous rappelle un peu la procédure de l'adoption d'un projet de loi, un projet de loi, c'est un texte de loi qui n'est pas encore effectif, qui n'est pas encore appliqué et qui est à l'état de projet de la part du gouvernement. Le gouvernement veut proposer au pouvoir législatif d'adopter une nouvelle législation. Le pouvoir législatif, donc, ce sont les députés, ce sont les députés et les sénateurs qui ont le pouvoir de faire la loi. Le gouvernement, lui, c'est le pouvoir exécutif, les deux pouvoirs sont séparés et le gouvernement demande au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif de faire une loi. Il y a toute une procédure pour faire ça. Il y a une procédure précise qui est encadrée par la Constitution, qui est encadrée par des lois organiques, etc. Et pour le faire simple, il y a toute une procédure que vous connaissez déjà parce que vous l'avez apprise au collège, le fait que l'Assemblée nationale puis le Sénat discutent du texte et puis en gros il y a des allers-retours entre les deux. Et à la fin, une fois que le Parlement s'est mis d'accord sur une version du texte, c'est le président de la République. Il y a éventuellement un contrôle par le Conseil constitutionnel qui vérifie que le texte n'est pas contraire à la Constitution, et ensuite c'est le président de la République qui ratifie la loi et qui du coup la fait entrer en application. Sauf que avant ça, le gouvernement, il y a un certain nombre d'étapes dans lesquelles il travaille son projet de loi, il le prépare, il l'organise. Il n'arrive pas à l'Assemblée nationale avec un truc tout pété, écrit avec les pieds, qui marche pas. Il prévoit, il essaye d'organiser le fait que ça va fonctionner. Ça dépend beaucoup des projets de loi et l'organisation du truc, mais déjà évidemment les services des différents ministères qui sont concernés, ils préparent le texte, ils l'organisent, il y a un certain nombre de réunions internes au gouvernement, internes aux services gouvernementaux pour caler le texte, il y a des arbitrages du Premier ministre, il y a des réunions interministérielles, il y a beaucoup de choses, je rentre pas dans le détail, mais voilà, un texte de loi c'est préparé, c'est organisé, etc. À partir du moment où le projet de loi, il y a une première version qui est écrite, tout ça c'est interne au gouvernement, le projet de loi n'est pas rendu public, le gouvernement peut faire beaucoup de choses avec ce texte de loi. Il peut par exemple le présenter, le proposer avant même son adoption, avant même sa présentation au Parlement. Le gouvernement, il peut présenter ce projet de loi à des partenaires sociaux, par exemple à des conférences sociales diverses et variées. Il y a un certain nombre de lois comme ça qui doivent être présentées à un certain nombre d'organisation représentative, de dialogue social, etc., avant d'être adopté en Conseil des ministres. Et puis il y a une étape qui est obligatoire dans le cadre des projets de loi. Tous les projets de loi sont systématiquement passés devant le Conseil d'État. Alors le Conseil d'État, c'est un truc qui peut paraître un peu obscur et c'est bien normal. Le Conseil d'État, c'est une institution de la République qui existe depuis très longtemps et qui a deux fonctions. D'abord, le Conseil d'État, il porte très bien son nom parce qu'il sert à conseiller l'État. Ça paraît complètement débile ce que je viens de dire comme phrase, mais en fait, le Conseil d'État accompagne le gouvernement, accompagne l'État dans la préparation de ses législations. Et c'est précisément là ce qui est en train de se passer, puisque le Conseil d'État est saisi du texte pour rendre un avis. Et l'avis du Conseil d'État, en gros, c'est sur le bon fonctionnement juridique du texte de loi, sur son organisation, sur son éventuelle incompatibilité avec la Constitution. Voilà, le Conseil d'État, en fait, il aide le gouvernement à ce que son projet de loi, avant de l'adopter en Conseil des ministres, soit pile poil carré, réglé, et qu'en tout cas, d'un point de vue juridique, on peut y aller, quoi. La deuxième compétence du Conseil d'État, mais là, c'est pas le sujet aujourd'hui, c'est que le Conseil d'État, c'est la juridiction suprême de l'ordre administratif. Pour faire simple, en France, il y a l'ordre judiciaire, l'ordre administratif. Dans l'ordre judiciaire, vous avez les tribunaux, les cours d'appel et la cour de cassation. Je synthétise à mort. Du côté administratif, vous avez les tribunaux administratifs, les cours administratifs d'appel et le Conseil d'État. Vous voyez, il y a deux cours suprêmes en France qui chacune s'occupe de son ordre juridique. Mettez ça de côté, c'est pas important. Là, on parle bien de l'activité de conseil du Conseil d'État. Où du coup, voilà, le texte est présenté au Conseil d'État avant d'arriver devant le Conseil des ministres. Et donc la procédure, c'est qu'une fois que le Conseil d'État a rendu un avis, cet avis n'est pas rendu public par le gouvernement. Pour être plus exact, le gouvernement peut le rendre public s'il le souhaite, cet avis, mais il n'est pas obligé de le faire, whatever, peu importe. Le gouvernement adopte le texte en Conseil des ministres pour qu'il soit transmis à l'Assemblée nationale. Et là, c'est parti, on entre dans la deuxième phase du truc où on rentre dans la discussion parlementaire. Donc en fait, un texte de loi, ça évolue en permanence. En gros, on peut même dire que la toute première mouture d'un texte de loi, c'est le programme du candidat à la présidence de la République. On peut dire que c'est carrément ça. C'est une ligne dans un programme présidentiel. Je m'engage à imaginer n'importe quoi. Je m'engage à faire en sorte que je sais pas, que l'État assure la sécurité routière des Français. Voilà, c'est un truc à la con. À partir du moment où le président de la République est élu, il nomme un Premier ministre, qui nomme un gouvernement, il y a un ministre des Transports qui s'occupe de ça, qui prend le dossier en main, qui a donc une mission politique qui lui est donnée pour les 5 ans du mandat, c'est d'améliorer, enfin du coup de mettre en œuvre cette,
cette réforme, machin. Le ministre, du coup, il va consulter, il va organiser, il va faire des auditions, il va aller voir des associations, il va aller voir des collectivités locales, il va prendre le dossier de la sécurité routière, il va faire tout un tas de travail, etc., machin, et il va établir, par exemple, un rapport, des propositions, un livre blanc, une concertation, appelez ça comme vous voulez, sur les grandes orientations politiques qu'il veut mettre en place et comment tout ça doit s'organiser, comment est-ce qu'on doit améliorer la législation actuelle pour permettre de remplir l'objectif qui a été fixé par le président de la République dans sa campagne présidentielle, tu vois. Et à partir de là, il va étirer une première mouture du texte, des propositions, des machins, et au sein de son ministère, ministère des Transports, il va y avoir tout un tas de directions qui vont saisir du truc, qui vont faire des propositions, qui vont réorganiser les textes, il va faire plusieurs allers-retours en interne, etc. Ensuite, la première mouture du texte, telle qu'elle est présentée par le ministre, elle va passer dans un cycle interministériel, où là, pour le coup, il y a d'autres ministères qui sont concernés par le bordel, je sais pas, le ministère de l'Aménagement du Territoire, le ministère des... qui s'occupe des collectivités territoriales, éventuellement l'Éducation nationale s'il y a de la prévention, tout un tas de trucs, machin. Du coup, on avance petit à petit comme ça. On fait, il y a un certain nombre le texte évolue, il est amélioré, etc. Quand il y a des engueulades entre différents ministères, parce que ça arrive à chaque fois, on fait des réunions interministérielles à Matignon, où les différents ministères s'engueulent en disant, moi je pense qu'il faudrait faire ça, moi, et l'autre dit, je pense qu'il faut faire ça. Et le premier ministre fait un arbitrage, il rend un arbitrage en disant, la ligne gouvernement ce sera ça. Du coup, le texte évolue encore, tac tac tac, on l'améliore, machin. Et ensuite, donc au fur et à mesure qu'il avance, il y a une première mouture qui va être présentée, par exemple à la presse. C'est exactement ce qui s'est passé avec le projet de loi de la réforme des retraites. Il a été présenté officiellement au Conseil économique, social et environnemental en décembre dernier. Vous vous en souvenez, on était en direct sur Acropolis, tout ça, tout ça. À partir du moment où le truc est présenté, ce qui est présenté, c'est un dossier de presse complet. Il n'y a pas encore forcément le texte article par article avec les dispositions réglementaires hyper compliquées, etc. C'est le texte est présenté dans son sens politique. Mais le texte, à ce moment-là, il peut encore évoluer. Et c'est pour ça qu'il y a encore des négociations. En fait, jusqu'au dernier moment, ce qu'il faut bien comprendre, c'est jusqu'à la ratification par le président de la République, un texte de loi, il va passer son temps à évoluer. C'est même le principe d'un texte de loi, c'est de ne faire qu'évoluer jusqu'au moment de sa ratification. Il va évoluer en passant devant les différentes instances devant lesquelles il passe. Il va évoluer en réunion interministérielle de préparation, il va évoluer au moment de la saisine du Conseil d'État, il va évoluer après même le Conseil d'État, il peut continuer à évoluer évidemment avec des concertations, avec des associations, machin. Au moment où il arrive à l'Assemblée nationale, le but du jeu c'est qu'il évolue, donc on rebelote, il y a les parlementaires, les commissions qui s'en saisissent, puis les parlementaires qui débattent, ils proposent des amendements, etc. machin. Donc à la sortie de la première lecture du texte, il a déjà évolué par rapport à son arrivée, il arrive au Sénat, là il est remodifié, à la fin du Sénat il revient à l'Assemblée nationale, il est remodifié en deuxième lecture, il retourne au Sénat qui le remodifie en deuxième lecture, ensuite on fait une CMP qui s'engueule une nouvelle fois pour arriver sur une version définitive du texte, et là seulement c'est la version définitive du texte, et avant ça, en tout le processus, le texte évolue, etc. machin. Voilà donc ce que c'est que la saisine du Conseil d'État. Donc il y a une polémique qui est sorti sur le fait que le texte a été transmis au Conseil d'État et que du coup ça laisserait sous-entendre que le texte est déjà ficelé. Alors ça me gêne un peu parce que c'est pas faux, parce qu'évidemment en termes de calendrier il est prévu que le Conseil des ministres adopte la réforme des retraites le 24 janvier pour qu'ensuite il soit transmis à l'Assemblée nationale et que son examen commence je crois le 17 février, un truc comme ça, si je me souviens bien c'est ça le calendrier. Du coup c'est pas surprenant que le Conseil d'État ait été saisi en amont de l'adoption le 24 janvier. Là on est début décembre, ça veut dire qu'il a 20 jours en gros le Conseil d'État pour rendre un avis sur la réforme des retraites. L'avis du Conseil d'État c'est un avis encore une fois logistico-organisationnel du texte, c'est pas un avis d'opportunité politique quoi, c'est un avis éventuellement d'opportunité législative ou logistique plutôt, mais pas franchement, c'est pas franchement politique. Le Conseil d'État ne dit pas s'il faut s'arrêter à 64 ans, 62 ans, c'est pas du tout son sujet le Conseil d'État. Et un gouvernement qui a saisi le Conseil d'État et qui lui a soumis un texte peut parfaitement, après l'avis du Conseil d'État, enlever des parties entières de la loi, au contraire proposer des amendements, parce que je rappelle que le gouvernement lui-même peut amender son propre texte dans le cadre du débat parlementaire, hein. C'est pas du tout impossible, au contraire. Donc du coup voilà.